Ethereum Improvement Proposal. Combien d'Africains votent là-bas? Les gens vont simplement acheter les Ethereum parties gardées. Ils ne savent pas qu'il faut construire un écosystème. Ils ne savent pas qu'il faut participer aux décisions d'une plateforme parce que c'est ça qu'on achète. On achète la gouvernance, les governance tokens. La majorité de ces tokens ont le droit de vote. Vous achetez donc quelque chose qui vous donne un droit de vote et vous ne partez pas voter. C'est comme si vous avez une carte d'électeur et vous décidez ne pas de, vous décidez ne pas voter. Et après, vous contestez les résultats, vous dites non, Non, ce n'est pas comme ça. Si vous voulez participer, si vous voulez que les décisions qui sont prises soient des décisions qui vont dans vos convictions, et il faudrait effectivement participer. Il ne faudrait pas être passif. Et c'est ce que je nous reproche, nous, la communauté africaine. On est beaucoup passif. On est beaucoup drivé par l'argent. On est beaucoup drivé par avoir quelque chose rapidement. On est beaucoup drivé par qu'est-ce qui va nous donner l'argent rapidement, qui fait en sorte que on met de côté la construction de cet écosystème dont on veut avoir de l'argent. Comment tu vas avoir l'argent dans un écosystème et tu ne suis et tu ne construis pas cet écosystème avec les décisions qu'il faut prendre? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de vouloir l'argent d'un écosystème et venir toucher simplement à tout, à tout, à tout. Et ce que tu as dans ton portefeuille nécessite même que tu fasses quelque chose, mais tu ne fais pas. Tu veux donc construire quoi? Tu veux construire quel genre de fortune? Pourtant, on est dans un écosystème qui est donc en pleine révolution, qui veut que tout le monde s'implique, qui veut prendre la vie de tout le monde, qui veut considérer tout le monde. Et si nous ne comprenons pas ça, on va donc passer dans la construction de cet écosystème. On va passer à côté de tout cela. Les décisions qui vont être prises sont encore des décisions qui seront prises par les personnes qui sont là-bas et qui s'impliquent. Regardez par exemple quand on est dans un groupe. Moi, je vais pas dire que forcément les Américains sont au-dessus ou bien forcément les. Mais regardez par exemple quand on est dans un groupe Telegram. C'est quand il y a seulement les Africains dans le groupe Telegram, quelles sont déjà les questions qu'on pose? On pose simplement des questions aussi simples que ça. On ne va même pas pousser même le modérateur à aller chercher l'information loin. On ne va même pas pousser même le modérateur à apprendre de nouvelles choses. On pose les questions basiques. On pose les questions, le prix c'est quoi? On achète où? On vend où? On n'essaye même pas de savoir qu'est-ce qui se cache derrière le projet, en quoi c'est important pour le projet, comment est-ce que ça peut avoir un impact dans l'écosystème. Pourquoi est-ce que ils ont mis ça sur pied? Les personnes qui sont derrière, est-ce qu'ils sont. Non, on ne pose pas ce genre de questions. On va poser les questions sur le prix. On va poser les questions sur le prix et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, moi, je répondais à cette personne. C'était pour revenir à la question que la personne m'a posée. Elvis, on pense que toi, tu es aujourd'hui une personne qui est accro de la crypto-monnaie. Non, Elvis n'est pas accro de la crypto-monnaie. Elvis, c'est une personne qui a appris de la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie est en train de m'offrir les possibilités d'apprendre du reste du monde entier. Quand aujourd'hui je suis dans la crypto-monnaie, j'apprends un peu de tout. Les informations concernant la finance, je vais apprendre. Pourquoi? Parce que ça a un impact directement sur la crypto-monnaie. Les informations concernant les régulations et lois de par le monde entier, je vais apprendre directement. Pourquoi? Parce que ça a un impact effectivement sur la crypto-monnaie. Donc c'est un écosystème qui est tellement vaste, qui est tellement. Même le monde du football, parce que parfois je suis obligé de lire les informations concernant le football, même si je n'aime pas forcément le sport, même si je n'aime pas forcément le football particulièrement. Si vous n'allez pas me voir en train de regarder tout un match en entier, mais je suis parfois obligé de prendre les informations là-bas. Parce que effectivement, ça a un impact directement sur la crypto-monnaie. Bien, la crypto-monnaie est en train de s'incruster dans ce domaine, que ce soit le domaine de la musique, que ce soit le domaine de l'art, et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est un écosystème qui est assez vaste et c'est un écosystème qui me permet aujourd'hui d'apprendre des disciplines hors du champ de vision que j'avais tout simplement. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi je ne suis pas fan de l'argent qu'il y a dans l'écosystème crypto-monnaie. Je suis fan de l'écosystème crypto-monnaie parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça me permet d'apprendre un peu de tout, de la politique, de l'économie, de la finance, en fait, de la technologie, l'évolution du monde entier. Donc, ça me permet d'apprendre un peu tout. Et effectivement, je vais reprendre le commentaire ici qui dit « Soyons des personnes qui construisent et non des personnes qui consomment. » Parce que si nous sommes des personnes qui consomment, effectivement, les solutions ne vont pas venir de nous. Les solutions vont venir d'ailleurs. Les solutions vont venir simplement d'ailleurs. Et je ne vois pas les débats dans le groupe qui montrent que les gens sont des personnes qui veulent construire quelque chose. Quand on est dans le groupe Telegram, regardez les questions qu'on pose dans le groupe Telegram. Regardez vous-même aujourd'hui les questions qu'on pose dans le groupe Telegram. Ça n'a pas de sens. On a un groupe comme celui-là avec près de 6 000 personnes.
avec des personnes qui sont dans l'écosystème depuis un bon bout de temps, avec des personnes qui ont une expérience dans plusieurs domaines aussi variés que cela. Mais les questions qu'on vient vous poser dans un groupe pareil, c'est quel est le prix de quelle crypto-monnaie il faut acheter, quel est le prix de quel nom, où est-ce qu'on achète ci, où est-ce qu'on achète ça. Ce n'est pas des choses qui vont nous permettre de construire quelque chose. Ça ne nous permet pas de construire quelque chose. Et pour un projet même aujourd'hui, pour qu'il nous sollicite même notre communauté, il ne peut pas nous solliciter parce que quand il va venir dans le groupe, il va voir qu'on ne pose, on ne peut pas poser des questions aux projets qui vont permettre au projet de repousser ses limites. On va poser la question aussi simple, dans même un projet pour qu'il capitalise sur notre communauté et qu'il vienne aujourd'hui et qu'il dise, oh, voilà une communauté qui est intéressante. Il faudrait que j'utilise cette communauté et, pour peut-être faire grandir mon projet. Et après, ils auront quelque chose dans cette communauté. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on va entrer dans la communauté, on regarde les messages qui sont posés, même dans les commentaires des vidéos qu'on fait sur Facebook. Tu ne vas pas voir les gens venir te poser des questions beaucoup techniques, mais les questions qui vont un peu repousser les limites, les questions qui expliquent, qui demandent même d'expliquer le corps, le fonctionnement même du cœur d'un système. Que pourquoi ils ont choisi ci au lieu de choisir ça? Pourquoi ils ont choisi ceci? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas choisir plutôt ça? Ça montre qu'on a des personnes qui comprennent l'écosystème. Ça montre qu'on a des personnes qui comprennent où on est en train de partir. Mais non, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc, je voudrais nous exhorter, construisons un écosystème. Ne construisons pas un endroit où on va penser que c'est facile, où on va penser que non, la seule chose qu'on peut avoir dans l'écosystème, c'est se faire de l'argent. Non, au-delà de la crypto-monnaie, au-delà de l'argent de la crypto-monnaie, il y a bien plus. Il y a bien plus. Regardez par exemple les groupes de projets. Qu'est-ce que les groupes de projets font? Si on essaie de faire simplement la même chose dans notre cas, on va créer un channel. Donc avant qu'on arrive sur les topics dans Telegram, ce que les projets faisaient, c'était un groupe où on va discuter uniquement du prix et un groupe où on va discuter uniquement de la construction du projet, les questions vraiment fondamentales du projet. Et la remarque simple, c'est que le groupe où on parle du prix est toujours saturé. Il y a toujours beaucoup de messages et généralement, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle un smooth. On va friser, donc on va geler un peu le groupe pendant 30 secondes pour dire que toi, tu écris et tu n'as pas après 30 secondes avant que tu peux écrire. Pourquoi? Parce que les gens sont beaucoup drivés par le prix. Ils sont drivés par le prix. Et maintenant qu'on va voir à côté le groupe qu'il y a, où on parle beaucoup plus de technologie, où on parle de comment est-ce que son impact dans le monde, son impact dans l'écosystème, le groupe-là aura moins de bavards. Il y aura moins de bavards. Mais ceux qui vont parler là-bas sont des personnes qui vont apprendre. Ce sont des personnes qui vont aller chercher ailleurs et venir construire. Ce sont des personnes qui peuvent dire qu'ils sont sortis de l'écosystème avec une expérience. Ce sont ces personnes-là qui vont dire qu'ils sont sortis avec une expérience qui peut voler plus même hors de l'écosystème. Mais ceux qui sont dans l'écosystème et qui viennent seulement demander le prix, qui viennent demander où on achète, si quelle crypto-monnaie acheter, tu donnes une crypto-monnaie, on passe simplement à regarder le prix, on dit c'est encore moins cher, il faut que j'achète. On parle de crypto-monnaie. Quand je fais une vidéo où il y a où je donne une liste de 5 crypto-monnaies, je vois plein de personnes venir me demander où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on achète. Tu nous conseilles d'acheter. C'est pas ça le but. Quand je donne une liste de crypto-monnaies, c'est pas ça le but. Et c'est pour ça que parfois, je m'évite même de donner la liste. Même comme je vois plusieurs personnes qui lui demander les listes. J'évite parfois de donner la liste des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que je vois les comportements après que ces listes soient arrivées, ce ne sont pas des comportements qui sont intéressants. Les gens vont simplement aller regarder ça, c'est quelle position. Non, c'est déjà trop cher, on n'achète pas. C'est déjà trop cher. Ou bien c'est encore moins cher. Oui, j'achète. C'est encore moins cher, j'achète. Ils sont encore 1000 quelque chose. Hein? Non, c'est bon, j'achète. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce que j'ai appris dans l'écosystème crypto-monnaie aujourd'hui me permet d'aller dans n'importe quel autre domaine et pouvoir m'en sortir. Parce que je sais que même si j'ai investi dans n'importe quel actif, les principes de recherche que j'ai appris dans l'écosystème crypto, ça m'a forgé de pouvoir également faire cette même analyse dans n'importe quel autre projet. C'est pour ça que je prends la crypto-monnaie comme un tremplin. C'est un endroit où je peux puiser la connaissance, je peux puiser l'expérience et appliquer cela ailleurs, dans n'importe quel autre domaine. Et si vous ne voyez pas la crypto-monnaie comme ce tremplin-là,
et que vous êtes simplement drivé par l'argent, vous allez même passer à côté de l'argent. Parce que c'est la connaissance, malheureusement, qui donne l'argent. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'argent qui donne la connaissance. C'est la connaissance qui donne l'argent. Donc, si vous êtes focalisé sur la connaissance et que vous vous mettez tous vos efforts dans l'optique d'apprendre la connaissance, je suis certain que vous allez effectivement sortir de cet écosystème en étant gagnant. Que ce soit en argent, que ce soit en relation, que ce soit en connaissance, que ce soit, vous allez sortir forcément gagnant. Et moi, aujourd'hui, je suis gagnant. Même si je perds tout ce que j'ai gagné dans l'écosystème crypto-monnaie, je suis gagnant. Même si c'est l'argent que je perds dans l'écosystème crypto que j'ai déposé, ça ne me générait pas. Ça ne me générait pas. Pourquoi? Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je suis au cœur de la connaissance de beaucoup de choses. Les applications comme les ChatGPT, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on en parle. Dans la crypto-monnaie, ça fait fureur. Mais ce sont des applications que nous avons connues depuis. Mais pourquoi plusieurs personnes ont connu ça depuis? C'est la recherche de la connaissance. C'est la recherche de la connaissance. Aujourd'hui, on est en train de parler de, par exemple, des plateformes comme Sui. Les seules choses que les gens cherchent avec Sui, c'est de voir comment ils peuvent participer au airdrop. C'est les seules choses que les gens sont en train de voir. Mais ils ne voient pas quelle peut être la place de ce projet, par exemple. Ils ne recherchent, ils ne comprennent même pas déjà l'écosystème et à quel niveau, à quel stade on a besoin de quoi. C'est un peu comme si vous arrivez dans un marché et vous voyez la première personne qui vend quelque chose à l'entrée du marché. Il vous tient un discours assez intéressant et vous décidez simplement d'acheter alors que vous n'avez pas une vue globale sur le marché. Vous ne savez même pas ce qui est déjà en gros, c'est quelle période, c'est la saison de quoi sur le marché. Non, tu arrives là à l'entrée du marché, quelqu'un vend la tomate, il a un très beau discours. Et tu achètes simplement un cajou de tomate à l'entrée. Dès que tu rentres simplement dans le marché, tu vois qu'il y a sa VCOA. Tu vois qu'il y a ça partout dans le marché. Tu dis, merde, le gars l'a mal eu. Pourtant, si vous aviez du recul, vous aviez une vue globale des choses, vous pourrez mieux choisir. Donc, faites très attention. Il faut toujours avoir cherché la connaissance et non pas chercher l'argent. Parce qu'en cherchant l'argent, on perd généralement. OK. Donc, je vais maintenant répondre à vos questions, mais avant de répondre à vos questions, s'il vous plaît, permettez-moi de partager ce que je voulais partager avant de répondre à vos questions, parce que ça m'a un peu...